About 1 million people were killed during the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. This resulted into millions more seeking refuge in neighboring countries. Many of the perpetrators and planners of the genocide, but also many other Hutus who feared reprisal by the Rwanda Patriotic Army, fled to the then Zaire, now the Democratic Republic of Congo. At that time, Zaire was closely allied to the Rwandan government, which initiated the genocide and provided protection to the perpetrators. That's how conflict came to life in the eastern Congo that is today still ongoing. Armed assaults, murders, rapes have not halted until today. Burundi, which was already badly scarred by the tensions between Hutu and Tutsis before 1994, was also further destabilized by the genocide. 25 years after the genocide, the situations of the three countries of sub-Great Lakes region are very different, but all three have to contend with humanitarian and political problems. Consequently, an umbrella of Protestant churches in the region committed themselves to ensure positive changes in the Democratic Republic of Congo, Rwanda, and Burundi. Aje kugira uruhare muri genocide umuvandimwe wanjye duturanye naje kwica abana babo bane nabikoze mbitewe n'ubuyobozi bubi bwari buriho ubutegetsi bwari muri icyo gihugu ariko nyuma yaho rero aho igihe kigereye njya mu nzimbo ndafungwa imyaka icumi nanjye naje kugira intege nke yanjye mu bitero byinshi abantu naje kujya muri gereza numva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririnzamo rimaze kunzamo numva ko umutima wanjye umaze kuncira urubanza. Ntangira kubabazwa n'ibyabaye mu Rwanda nsaba imbabazi. Banyiciye umugabo n'abana bane. Umuryango munini aho nashatse inshuti abavandimwe mbese mbura abantu benshi mbura umuryango mwinshi mbura aho mba. Jenoside irangiye rero ngira ikibazo cyane abungabana muri ubwo buzima bw'ubupfakazi abaturanyi twabanaga twari duturanye dusangira jenoside iratangira baradusahura barya inka ubwo barangije hakugiyeho igikorwa cyo kwica ariko muri icyo gihe nari mfunze twumvaga leta y'ubumwe maradiyo rero akatubwira ati uwirega akemera agasaba imbabazi akirega icyaha cye cyaba kimwe bya byinshi ariko akabyirega natwe tuzamubabarira duca bugufi kugeza ubwo bageze bati noneho igihe cy'ingando kirageze abemeye icyaha bagasaba imbabazi baze tujye mu ngando habayeho kugira ngo abafunguwe barimo kubwirwa ubutumwa bwo kwirega kugira ngo basabe imbabazi byarampungabanyije numva nyine batazaza ngo tubonane ariko icyatumye njya muri iri tsinda nuko nyine Pasiteri Jerome yagize amahugurwa amaze kuduhugura atubwira ko kubabarira ari ngombwa nanjye numva ndabikunze numva ndabyakiriye natekereza ndavuga ngo umugabo wanjye naramubuze abana banjye narababuze ntabwo nzagoma muri ubu bwigunge mpitamo kubabarira byabanje kurungisha cyane kugira ngo mbahe imbabazi ariko noneho tubaho ngaho twishishanya noneho uyu mubyeyi Jerome aza kuvuga ati ndashaka abantu bacitse ku icumi bose ariko aduhuza nyine n'abafunguwe hariho abafungwa bagiye bihana ibyaha ndashaka kubahuza kugira ngo mutangane imbabazi aratwigisha cyane ijambo ry'Imana turumva turanyumva turi kumwe n'abatwiciye nuko rero ubwo icyo twahisemo nyine bigenda biza gake gake ariko ubu ngubu rwose twatanze imbabazi twahanye imbabazi ntabwo byari byoroshye ndetse n'umunsi wa mbere tubahuza tugiye kubahugura hari bamwe bumvaga batashobora kwicarana mu cyumba kimwe kubera ko ari abantu bafite amateka atandukanye n'ibisebe bikomeye ku mitima ananitupa, ananibaka. Sijua kama iko wapi. Violence sexuelle.
abalikaga niita aseme dada wanakuita yeshanga kumbe naona ni kama naume wakinifungia sali nifungia kake nikabake nibaka na nikikuwa na mimba ndio vile nishazala ule mtoto. Son père décédé à partir de son enfance et juste après le décès, maman a essayé de continuer avec l'encadrement des enfants déjà quelques années. Et c'est pendant ces années qu'elle a eu aussi notre enfant hors le foyer qui était l'école d'abord. Puis après, avec les menaces de la belle famille, cette maman a jamais retourné dans sa famille. Et c'est au niveau maintenant de Kaena, alors que la patiente a été laissée à leur village au niveau de Kabasha. La patiente aussi a développé la maladie mentale. Et nous sommes avec elle maintenant pour la deuxième fois qu'elle est traitée ici au Sepima. Iko mama amepitia hii magonjwa na hali ya magonjwa wengi wameendelea wakimubaka ovyo ovyo njiani. Hata amefanya hapa karibia mwezi moja na nusu. Alifika hapa na iko kabisa buchi wa nyama, lakini kizuri tumefanya exam zake, hana VIH, hana vile mimba kwa hii hali ya leo, lakini iko vile na mtoto wa miaka 3 ambao babake hajulikane, kwani watu wanambaka kiolela. Kwenye anapita njiani wanelewa kimbaka ujiovi. Baki mziole, anakutanaka hana tena valeur. Kwani kuna wenye wekua jule na watu 10 kwa limoya. Hata mtu wekua jule na watu 15 kwa limoya. Hata mtu moja. Lakini wakati anatufikia, kitu ya kwanza ni upendo. Wakati tunamuonesha upendo, na wakati tunazungumza naye, na dawa imeendelea kumsaidia. Est une initiative des églises protestantes qui travaillent dans les trois pays de la sous-région du Grand Lac. Notre mission, c'est de travailler au rapprochement des populations de la sous-région pour une cohabitation pacifique et promouvoir la cohésion sociale, locale et transfrontalière. Alors, pour arriver à la matérialisation de cette mission, nous travaillons avec plusieurs groupes cibles. C'est de cette manière-là que pour sensibiliser à la prévention des conflits, nous travaillons avec 4 troupes théâtrales. Et la grande troupe théâtrale qui tient les leads, c'est Badilika. Le deuxième groupe cible avec lequel nous travaillons, sont les femmes qui exercent le commerce transfrontalier. Elles ont choisi de donner un nom à leur structure, c'est la CFCT RGEL. Nous travaillons aussi avec des cellules de base pour la paix et le développement. Normalement, nous avons 30 paroisses au Congo, au Rwanda et au Burundi où nous avons organisé des noyaux de paix. Je suis de l'association CFCT, qui est la communauté économique des femmes exerçant le commerce transfrontalier. Notre association a commencé vers 2013. À l'époque, nous venions de guerres qui se répétaient dans notre milieu. Ça se répétait vraiment et nous voyons que ça provenait du Rwanda. C'est ce que nous voyons. Alors, suite à cela, il y a eu un climat de méfiance vis-à-vis des Rwandais et parfois même de haine, parce que nous disions que le malheur que nous connaissions, ça provenait du Rwanda. Quand nous avons situation étorche, nous avons eu des gens qui ont été en train de se faire en Congo, qui ont été en train de se faire en Congo, qui ont été en train de se faire en Congo, qui ont été en train de se faire en Congo, qui ont été en train de C'est l'après-midi qui a constaté la situation qui était dans la sous-région de Grand Lac, des guerres, des haines, stéréotypes aussi, des méprises. Alors tout ça, ça causait beaucoup de pauvreté. Il a multiplié beaucoup de formations en faveur des femmes qui fait le commerce transfrontalier, qui venait de Rwanda. RDC, au Burundi, nous avons décidé que
En tout cas, il faut laisser la haine, les mépriser. Et il faut que nous nous mettons ensemble pour que nous puissions gagner des intérêts ensemble. J'étais aussi contre le Rwandais, mais quand même avec les activités de paix et avec l'invitation de Badilika, j'ai été invité une fois ici à Gisenyi. Et avec la formation et toutes d'autres étapes, j'ai réussi à comprendre quelque chose, que nous sommes tous humains. Et on peut avoir des différences de noms, mais quand même, nous sommes tous humains. Alors on a dit, il faut montrer aux gens, il faut exposer aux gens quelque chose. C'est à ce moment-là qu'on a créé, on a eu l'idée de venir avec le système de théâtre, forum, théâtre participatif, Badilika, qui a été fondée en 2013. En 2013 maintenant, on a commencé, on nous a appelés, on faisait du théâtre dans nos paroisses et puis on nous a sélectionnés, on nous a appelés pour venir participer à la formation. On a eu le courage de nous dire à face ce que les Congolais passent des Rwandais et ce que les Rwandais passent des Congolais. Et on a compris que c'était vraiment pas trop beau à attendre ni à vivre. Nous, on est une nouvelle génération. Si nos pères, nos mères, eux, ils ont vécu des atrocités pendant leur période, nous, on n'est pas obligés de vivre comme eux. Donc, il faut que nous puissions créer quelque chose qui va essayer de laver la mémoire pour que nos enfants, à nous, ou ceux-là qui sont en train de naître, ne puissent pas naître avec ce genre de préjugés et stéréotypes à grandir ça. Qu'ils grandissent en sachant que j'ai un voisin et c'est mon frère. Les Rwandais me prennent toujours comme leur sœur. Et voilà.